chercher la limite quand x tend vers 0 de sinus x moins arctangente x, x carré ln de 1 plus x. Voilà, tout d'abord, c'est un rapport. On trouve des fonctions trigonométriques au numérateur et au dénominateur. On trouve un petit peu un polynôme du second degré ainsi que fonction logarithme népérien. Alors, sinus x, elle est continue partout. Elle est continue dans R. Arctangente est continue dans R. X carré, ben, comme il est au dénominateur, x carré doit être différent de 0. X différent de 0. Oui, pour arctangente, elle est définie de R vers moins pi demi, pi demi. Hein. Alors, sinus x, il est défini partout. Celui-ci, il est défini partout. Celui-ci est défini partout sauf en 0, et ln de 1 plus x, la condition d'existence est que 1 plus x doit être strictement positif, x plus grand que moins 1. Ce qui veut dire que le domaine de cette fonction, c'est moins 1 qu'on ne prend pas jusqu'à l'infini, sauf on enlève le 0 à cause de ce 0-là. Alors, voyons voir, on va dessiner la fonction. On a la fonction sinus x. La fonction sinus x, la fonction arctangente qui fait un s compris entre moins pi demi pi demi. Voilà. Donc vous voyez que celle-ci elle est continue partout. La fonction sinus x, la fonction arctangente est continue partout. Sa racine c'est même 0, aussi bien pour le sinus que pour l'arctangente. Si je prends l'opposé de l'arctangente, c'est celui-ci. Et si je fais la somme du sinus avec l'opposé de l'arctangente, ça donne cette fonction-là. Donc on obtient le numérateur. Attention que le 0 il est toujours racine, on obtient cette fonction-là qui est le numérateur. C'est le numérateur. Alors je vais construire le dénominateur. Le dénominateur c'est x carré ln de 1 plus x. Alors elle est définie au-dessus de moins 1 et sa racine c'est toujours 0 parce que ln de 1 ça fait 0 et x carré si vous remplacez par x par 0 ça fait 0. 0 carré ça fait 0 même si dans le ln de 1 plus 0, ça fait ln de 1, ln de 1, ça fait 0, vous aurez 0 fois 0. Et donc si je fais le rapport, on a la fonction suivante, qui n'est pas qui est définie à partir de x strictement plus grand que moins 1, et 0 n'est pas pris. Donc il faut chercher la limite quand x tend vers 0 de cette fonction, qui est comprise entre 0, 1 et 0, 2. Donc en 0, je recherche la limite en 0. Alors, comment va-t-on faire pour faire ça? Eh bien, vous voyez bien que tout d'abord, ça va donner sinus de 0, ça fait 0. Arctangente de 0, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. 0 carré, ça fait 0. Ln de 1 plus 0, ça fait 0. Donc on aura 0 fois 0, ça fait 0. Et on a une forme indéterminée. Alors on va calculer autrement. Alors comment je vais calculer? Eh bien, je vois que la meilleure façon de passer, c'est repasser par les séries. Séries. Donc on va voir sinus x. Alors on a f égale sinus x, f prime égale dérivée de sin c'est cos x, dérivée de cos c'est moins sin x, et dérivée de moins sin c'est moins cos x. Alors je remplace par f de 0, f prime de 0, f seconde de 0 et f tierce de 0. F de 0, ça fait 0. F prime de 0, ça fait 1. F seconde de 0, moins 1. Et le dernier, ça fait 0. Pour obtenir en finalité la fonction x sur 1 factoriel. Voilà. X
Attention qu'ici ça fait pas moins 1. Je me suis trompé ici. Sinus de 0, ça fait 0. Moins 0, ça fait 0. Et là, ça fera moins 1. Donc on aura 0 moins x cube sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel. Et puis vous aurez compris que c'est la suite. On aura une alternance de plus et moins, moins x7 sur 7 factoriel. Voilà, ça c'est pour la fonction sinus. Bon, pour la fonction logarithme népérien de x plus 1. Bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc ici, je vais juste la reprendre. Pour ln de x plus 1. Donc, je vais recopier sinus x. Hein. Sinus x égale x moins x cube plus x5, etc. Plus c'est x9. Voilà, maintenant pour ln de 1 plus x, je l'ai déjà fait plusieurs fois pour le traitement. C'est x moins x carré sur 2. Plus x cube sur 3 moins x4. Sur 4 plus x5 sur 5 plus moins, c'est une alternance de plus et moins, moins x6 sur 6 plus x7 sur 7 plus des termes en x8, je dirais même moins. Alors, pour l'arc tangente, je vais le faire dans une autre page. Alors la fonction c'est arctangente. Si je dérive l'arctangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Si je dérive une seconde fois l'arctangente, c'est moins 2x sur 1 plus x carré au carré. Si je dérive une troisième fois l'arctangente, ben on aura 1 plus x carré. Exposant 4 et f prime. F prime G moins F. J prime donc moins 2 1 plus
Oui, on a 1 plus x carré ici, 1 plus x carré. Je vais remettre 1 plus x carré en évidence. Moins 2 fois 1 plus x carré. X fois 2 donc on aura du carré. Bon, je vais le faire tout de suite pour éviter de perdre du temps parce que je n'ai pas envie de passer mon temps. Je m'excuse à faire ça manuellement, alors que bon, on va dériver moins 2x. C'est beaucoup plus facile. Ah, c'est ça. Ce qui veut dire que si je remplace par 0, on a moins 2. C'est ce que je vais rechercher. Donc là, si je remplace par 0, f prime de 0 ça fait 1, prime de 0 ça fait 1, f seconde de 0 ça fait 0, f tierce de 0. Alors ici j'avais trouvé 6x carré moins 2. Oui, mais attends, je vais quand même faire la dérivée parce que bon, ici c'est parce que GeoGebra, à mon avis, il a fait une division. Donc ça ne suffit pas. Bon, je vais refaire une page pour autant qu'il m'ouvre une page. Voilà, parce que c'est embêtant quand il m'ouvre pas de page. Voilà. Alors on va dériver moins 2x sur 1 plus x carré. Voilà, on va dériver ceci. Et c'est ça. C'est ça qu'il faut dériver. Bon, on va dériver ceci. Alors, bien sûr, au dénominateur, on aura 1 plus x carré exposant 4. Et au dénominateur, au numérateur, on aura la dérivée de moins 2x, ce qui fait moins 2, fois 1 plus x au carré. Au carré, voilà, ça c'est pour le premier. Ensuite, pour le second, on aura moins, donc on a f prime g moins fg prime, mais comme il y a un moins devant le moins 2, ça fait plus 2x fois la dérivée de 2 fois 1 plus x au carré, 2 fois 1 plus x carré fois la dérivée de x carré qui vaut 2x. Donc on aura moins 2, 1 plus x, x4 plus 2x carré plus 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Bon, j'aurais dû pas faire ça. C'est là que j'aurais dû mettre en évidence. Donc, je vais mettre en évidence
1 plus x carré. Voilà. Et sachant qu'on a 1 plus x carré exposant 4. Et donc, bien sûr, quand je vais le simplifier, on aura plus que du cube ici. C'est ce que j'ai algébra fait. Voilà. Et donc là, il nous reste moins 2 fois 1 plus x carré plus 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 8. 8x carré. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a en rouge. Donc celui-ci tombe et il va rester 8 moins 2x carré plus 8x carré. 8 moins 2, 6x carré. C'est bien juste moins 2. Voilà, c'est ça qui va rester sur 1 plus x au cube. 1 plus x carré au cube. Voilà. Et c'est ce que GeoGebra a fait. Hein. Voilà. Si je fais 1 plus x carré au cube, ah, c'est bien ça. X cube plus 3x 4. Plus 3x, ça c'est le dénominateur. Voilà, donc maintenant il reste plus qu'à écrire l'arc tangente. Que vaut l'arc tangente en développement limité? Donc on a f' de 0, ça fait 1. F seconde de 0. Ça fait 0, f tiers, ça fait moins 2, comme on a dit, c'était moins 2. Donc on aura 1, 0, moins 2. Voilà, et là j'ai les trois, maintenant je peux faire avec ça pour trouver la limite. Ah, et donc, ils vont rechercher la limite quand x tend vers 0 de sinus x moins arc tangente x sur x carré ln de 1 plus x. Bon, alors on va tout d'abord s'occuper du sinus x.
Ensuite, je m'occupe de l'arc tangente. Et ensuite, du logarithme népérien. Maintenant, je vais faire la simplification. Là, on a x moins x. Ceci, je vais m'arrêter. Ou θ x5. Je peux simplifier par du x cube, donc je m'arrête au θ x5. Ah, je vais m'arrêter au θ x5. Et bien sûr, au θ x5 pour celui-là. Voilà, alors là, on aura au numérateur en cube 1 sur 3 factoriel, ce qui fait 2 fois 3, 6. Donc moins 1 sixième. Moins par moins plus 1 tiers de x cube. Alors pour simplifier, là j'ai déjà été un peu trop loin. Ce qui va donner du x cube, c'est celui-là et celui-là. X fois x, ça fait du x cube. Voilà, donc là j'aurai sur du x cube. Donc ça, j'avais pas besoin. Et donc je simplifie les x cubes avec les x cubes pour n'avoir que 1 tiers moins 1 sixième égale 2 moins 1 sur 6 et 1 sixième. Voilà, la limite ça fait 1 sixième. Réponse 1 sixième. Bon, on va vérifier. Voilà. Et donc on voit bien que ça fait bien un sixième parce que si je vais chercher le point 0, un sixième, on est bien dessus et c'est un point rouge, un point de discontinuité. Je vous remercie.